Bonjour, ici Super Cool Touch et aujourd'hui je vais vous montrer le tweet Speed Intensifié. Ce tweet se trouve sur Cydia. J'ai enlevé le tweet pour vous montrer c'est quoi la différence. Ok? En ce moment, il est lent, mais moi je trouve qu'il est lent. Le charger, c'est là. Mais avec l'application, ça va aller beaucoup plus vite quand vous allez ouvrir. Ça va aller beaucoup plus vite. Ok. Puis si vous trouvez ça. Bon, laissez faire. Quand vous êtes arrivé sur le Cydia, vous allez dans Gérer. Source. Et vous rentrez ce lien http://cydia.xsellize.com. C'est juste celle-là. Celui qui est en bleu. Ok. Yup. Vous pèsez sur modifier, ajouter. Et vous tapez la source. Ok. Après, vous allez dans la source. Et vous allez dans les S. Après, vous descendez jusqu'à SP. Attendez, faut juste que je trouve mes P. C'est. Yup. Excusez-moi. C'est le rafraîchissement des données. Quand vous êtes arrivé dans P, ok, vous cherchez Speed. Puis là, vous allez voir Speed intensifié. Ou vous allez dans recherche et vous marquez speed, vous allez voir. Je vais vous montrer quand ça va être fini. Bon. Bon. Speed intensifié. Vous prenez, vous téléchargez. Si vous n'aimez pas ça, cherchez là-dedans. Vous marquez S, P, E, E, D. Et là, vous allez voir Speed intensifié. Vous le téléchargez. Attendez. Vous le téléchargez. Il n'y aura pas d'icône sur le Spring Ball. Mais il y aura un mini-icône sur les réglages. Ok. Speed intensifié. Là, quand vous allez voir, il va être à défaut. Descendez. Si vous avez un iPod Touch ou iPhone là, vous le mettez à 10. Si un petit peu plus vite, vous le mettez à 6. Si il est entre les deux, à 8. Si il est rapide, puis vous le mettez à 10, il va bugger. Si vous le mettez à face 16, même s'il est lent, il va bugger. Moi, vu qu'il est lent, je le mets à 10. Vous, le wrestling.
Vu que vous avez. Il était lent au début. S'il était lent au début, ça va prendre du temps, Spring, puis après, il va être vite. Attendez. Ok. Là, si vous entrez dans, mettons, réglage, mais c'est sûr si vous avez beaucoup d'applications sur Cydia ou d'applications sur App Store installées aussi, c'est sûr qu'il va aller lent. Ok, mais il va aller un petit peu plus vite. Moi, le mien, c'est vraiment lent. C'est la troisième génération. Puis entre la 3 puis la 4, c'est toute une différence. Ok, bon. Là, quand vous êtes rendu sur réglage, admettons, vous pouvez cliquer sur n'importe quoi. Ton luminosité son. Vous voyez, ça va un petit peu plus vite. Si vous allez dans deux, admettons, dans deux lignes différentes, ça va beaucoup plus vite. Quand vous l'ouvrez, hein, vraiment plus vite. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Venez sur ma chaîne YouTube sur youtube.com/. Super cool touch. Merci. Et vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant juste en haut, à côté, juste en haut de la vidéo. Cliquez sur abonner et quand je mettrai les nouvelles vidéos, vous pourrez les voir directement. Et les vidéos, si vous avez un iPod, vous pouvez voir tous les nouveaux tweets que je mettrai.